Le père Poncet est prêtre des missions étrangères de Paris. Il n'est pas curé en paroisse, il est professeur, dans un séminaire diocésain en Corée du Sud. Il y enseigne le latin. Traditionnellement, la première raison d'être des missions étrangères, c'est la formation du clergé indigène. 160 jeunes se forment actuellement dans ce séminaire où enseigne le père Poncet. Je sais très bien que je n'ai pas besoin d'être ici pour que la formation des prêtres continue. Il y a assez de formateurs coréens, mais je suis dans la tradition mission étrangère. Je suis content d'être à ce service de la formation des prêtres. La terre de Corée est une terre de martyrs. C'est aussi une terre de nombreuses vocations. Les congrégations religieuses y sont nombreuses. Les prêtres diocésains aussi. On compte 1500 séminaristes actuellement pour toute la Corée. Alors, le clergé coréen est un très bon clergé. Il a le sens de l'Église, il a le sens de la tradition ecclésiale, il a le sens du martyr. Les martyrs jouent pour eux un rôle important dans leur vie, c'est la référence. Hein. Donc, c'est un clergé solide. Un clergé solide, certes. Pourtant, des difficultés existent. C'est un clergé riche. La richesse a toujours été une source de difficultés pour le sacerdoce. Hein. C'est une tentation très forte. Alors, ici, les chrétiens coréens sont tellement généreux et ils s'occupent tellement de leurs prêtres qu'ils donnent tellement de cadeaux à leurs prêtres que c'est difficile de ne pas tomber un peu dans la tentation de la richesse. Dans le petit diocèse de campagne du Père Poncet, il y a 300 prêtres. Depuis son arrivée en Corée, le Père Poncet a vu le nombre de prêtres augmenter considérablement. Il y a plus de 300 prêtres. Et quand je suis arrivé en 68, on était 27-28. C'est quand même une différence remarquable. 10 fois plus. Et alors, on commence à envoyer beaucoup de prêtres à l'étranger, en Europe aussi, mais en Amérique latine, certains en Chine, etc. À son tour, l'Église catholique de Corée du Sud devient missionnaire. L'universalisme de l'Église doit être manifesté par la présence de missionnaires étrangers. Ça donne un regard différent sur l'Église et sur la mission.